8 conseils simples pour gagner plus d'argent avec AdWords. Vous souhaitez attirer davantage de trafic qualifié sur votre site ? Les campagnes au coût par clic, CPC, sont une bonne solution pour y arriver. Une campagne au CPC bien construite est une excellente manière d'augmenter les ventes et les revenus. En effet, lorsqu'elle est bien pensée, une campagne au CPC vous place dans les meilleures positions sur les recherches associées. A l'inverse, une campagne pas ou peu réfléchie peut être un investissement à perte. Pour éviter ce dernier cas, prenez en compte les 8 conseils suivants qui s'appliquent à tous les secteurs d'activité confondus. 1. Créer une page de destination pertinente. Le but d'une campagne au CPC est de faire une vente, pas d'obtenir un simple clic. Ainsi, une campagne réussie fera atterrir les utilisateurs sur une page de destination qui est destinée à convertir. Le message passé dans vos annonces doit être le même que celui présent sur cette page. Répétez le contenu et l'appel à action de vos annonces car c'est ce qui a intéressé les utilisateurs. 2. Optimiser les mots-clés négatifs. Google AdWords vous permet de spécifier les mots-clés qui ne sont pas en relation avec votre activité. Faites en sorte de ne pas apparaître sur des requêtes qui ne correspondent pas à votre offre. La bonne utilisation de cet outil vous permet de diminuer le nombre de clics et de dépenses, d'obtenir un CTR plus élevé, donc un meilleur score de qualité et un meilleur positionnement, et d'augmenter le taux de conversion, de meilleures positions sur les enchères et du chiffre d'affaires supplémentaire. Les mots-clés négatifs peuvent être paramétrés au niveau de la campagne ou, pour davantage de précision, au niveau des groupes d'annonces. 3. Utiliser les bons types de correspondances. Google met en relation l'offre, ce que vous proposez, à la demande, ce que les utilisateurs recherchent. Le plus important dans une campagne au CPC est le choix des mots-clés utilisés et l'exigence souhaitée concernant l'exactitude des requêtes. Il y a 4 types de correspondances. La requête large, votre annonce apparaît même si les mots-clés tapés ne sont pas dans le bon ordre ou s'il s'agit de synonymes. La requête large modifiée. Vous ajoutez le signe plus sur certains mots de vos mots-clés pour cibler le mot-clé ciblé dans un ordre bien spécifique. L'expression exacte. Il s'agit de phrases clés, chaînes de mots, qui se trouvent dans des guillemets et qui permettent l'affichage de vos annonces quand l'utilisateur cherche la phrase exacte que vous précisez. Le mot-clé exact. Similaire à l'expression exacte, le mot-clé exact prend la forme d'un mot-clé avec des crochets. Et vos annonces ne s'affichent que si ce mot-clé ou une variante proche sont tapés par l'utilisateur. La requête large vous donnera plus de visibilité, mais du trafic moins qualifié. Le mot-clé exact affectera la visibilité de vos annonces, mais sera beaucoup plus pertinent. 4. Modifier les types de correspondances dans la durée. Utilisez les 30 premiers jours pour appliquer la requête large modifiée, car ce type de correspondance permet un meilleur contrôle sur l'affichage des annonces. Après ce mois écoulé, passez aux mots-clés et expressions exactes pour de meilleures performances, mais gardez tout de même les mots-clés à requête large modifiée performants. Ainsi, vous devriez avoir 12 ou 14 mots-clés dans chaque groupe d'annonces. 6 mots-clés exacts, 6 expressions exactes et 2 mots-clés en requête large modifiée. 5. Remplissez tous les champs disponibles. Une annonce AdWords est composée de plusieurs champs. Remplissez-les tous. URL finale, proposez une page de destination unique et pertinente. Titre 1, incluez le nom de la marque ou la proposition de valeur principale. Titre 2, ajouter une proposition de valeur supplémentaire ici ou utiliser cet espace pour établir le contexte pour la description. Chemin 1, préciser la localisation ou une catégorie générale de produits ou services. Chemin 2, essayer de rajouter davantage d'informations pour placer le contexte. Description, réfléchissez bien, c'est ici que se joue le clic. Incluez un appel à action fort à la fin de la description pour favoriser l'engagement du lecteur. 6. Utilisez les extensions d'annonces pertinentes. Les extensions d'annonces sont des éléments essentiels à l'expérience utilisateur et donnent un boost de performance considérable aux annonces. Elles peuvent vous aider à en dire davantage sur votre marque et ce que vous proposez. Les extensions d'annonces les plus pertinentes sont les extensions de liens annexes. Ce sont des liens supplémentaires qui redirigent vers des pages de destination uniques et qui peuvent s'avérer intéressantes pour les utilisateurs. Les extensions d'accroche. Utilisez-les pour renforcer la confiance des lecteurs en ajoutant des messages forts comme « service professionnel rapide » par exemple. Les extensions d'extrait de site, incluez-les pour ajouter des informations sur les offres proposées. Les extensions d'avis, l'engagement peut être largement développé si vous ajoutez cette extension. Utilisez des avis provenant de votre site pour qu'à chaque clic sur l'extension, l'audience soit redirigée sur votre site. 7. Ajustez les enchères pour le ciblage géographique.
Peu importe votre marché ou votre industrie, vous pouvez y gagner à cibler géographiquement vos enchères. Même si vous êtes uniquement sur le web, vous pouvez voir où se trouve le taux d'engagement le plus élevé pour cibler les publicités. Vous pouvez toujours utiliser la géolocalisation basée sur la saisonnalité, la météo ou encore les besoins des utilisateurs. 8. Débloquer les campagnes optimisées pour mobile. La plupart de vos consommateurs utilisent les supports mobiles. Vous devez donc avoir des campagnes dédiées à ce format. Si les mobiles génèrent une bonne partie des conversions, copiez votre campagne existante et appliquez des enchères négatives sur les mots-clés dédiés aux mobiles de cette campagne. Inversement, pour la campagne mobile qui appliquera des enchères négatives sur les mots-clés dédiés au PC. Le CPC pour mobile peut être 25% plus bas que celui des PC. Dans les campagnes pour mobile, concentrez-vous sur les extensions d'appel. Google AdWords est un investissement qui demande de l'attention et qui peut être très bénéfique si les campagnes sont suivies et optimisées pour les conversions. À bientôt !